Ouais, Jérôme, c'est Lionel. Ouais, François, la santé ratée, les gars. Non, bah, il y a une ambiance ici, tu m'étonnes. Ouais, j'ai appris, dis donc, Jérôme, là, ouais, pour ton boulot, là, t'as perdu ton boulot de président de la région, de la département. Je vous le confirme, le mort dans l'âme, je vous le confirme. Ouais, ouais, bah, c'est la Bérésina. Mais t'as une formation de quelque chose, tu sais faire autre chose ou pas? Mais non. Est-ce que t'as un CAP à l'ENA? Ah ouais, donc tu sais rien foutre, quoi. Merde. Le sursaut, c'est urgent, c'est maintenant. Ouais, t'es dans la merde, là. Voilà. Bah, je t'aurais bien proposé à la main d'or, je sais pas, vendre des t-shirts, des trucs comme ça, C'est pas possible. Ouais. Ouais, non, ça la fout très mal, ouais, par rapport à... Ah, Manu et tout ça, ouais, bien sûr, ouais. J'ai besoin de rebondir. Entre nous, Jérôme, tu t'en es foutu plein les poches, ça va, hein. Non, pendant 4 non. ans, arrête. Vous vous êtes rincé, vous vous êtes régalé avec toute l'équipe. Mais Conseil général de l'Essonne, là, t'étais président. T'avais combien? Ouais, on aurait d'accord, on parle pas. Ouais, la bagnole. Non, mais là, vous êtes dans la... Non, je comprends. Mais il va falloir aller bosser, espèce de feignasse. Malheureusement. Hein? Tu te souviens, il y a un an? Bah ouais, mais non, je suis pas content. Il y a un an, tu te foutais de ma gueule, tu voulais m'interdire de bosser. Tu te souviens? Regarde. Al Capone, il est pas tombé pour grand banditisme, il est tombé pour fraude fiscale. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. ouais, aujourd'hui, on entend moins ta grande gueule. Hein, Jérôme? Non. Mais... probablement parce que malheureusement, il faut pouvoir avoir des mots. Ouais, j'étais remonté contre toi, tu sais. J'ai entendu ça. Bon, à mon petit niveau, bon, j'ai participé à ta déchéance. Hein. Je te cache pas que j'ai tout fait pour que tu te plantes, tu te casses la gueule. J'ai essayé de te pourrir la vie au maximum. Hein. C'est possible. Mais je vois que ça a marché, donc je suis plutôt quand même... Je suis content, mais bon... Mais en même temps, maintenant que c'est fait, je tiens à te dire que je ne t'en veux pas. Toi, t'es aveuglé par ta haine, hein. On le voyait dans ton regard, de toute façon. Donc tu dois chercher la paix en toi, Jérôme. Je suis triste, je suis... Mais oui, mais... Et puis la vérité, arrête de mentir. C'est pas possible. Essaye de prendre un petit peu de distance avec Manuel Valls. Il ment trop, il a la patte qui tremble, il devient complètement cinglé, l'autre. Hein. Et puis c'était votre département, le 91, avec Manu. Mais non, c'est pas le département de Manuel Valls, arrêtez avec ça. Ici, c'est le département de personne. Si, c'était votre département. Par contre, c'est la défaite de tout le monde, oui. Non. Eh, c'est pas la défaite de tout le monde, c'est ta défaite. Tu l'as dans le cul, mon pauvre ami. Ne dis pas que c'est les autres. Et tu reviendras plus jamais, parce que les gens ne veulent plus te voir. D'accord? Allez, comme dirait mon directeur de la pub, c'est ça. Bye bye. Je t'en veux pas, mais... Prends ça dans ton... Comment?